Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transmettre un document complémentaire au pôle naturalisation lorsque vous avez fait la demande de naturalisation sur ANEF et que vous souhaitez transmettre un document complémentaire à l'administration, donc à la plateforme de naturalisation qui gère votre dossier de naturalisation. Arrivé à ce niveau, vous allez cliquer sur « Nous contacter ». Une fois que vous avez cliqué sur « Nous contacter », vous allez cliquer ici. Choisir la question, vous allez cliquer sur votre demande d'accès à la nationalité française. Vous allez descendre à ce niveau, vous allez renseigner votre nom, prénom, adresse email. Vous allez reconfirmer l'adresse email à ce niveau-là. Ensuite, vous allez saisir votre numéro de dossier ou le numéro étranger. À ce niveau, il est conseillé plutôt de saisir votre numéro préfectoral ou votre numéro ministériel qui est à l'étape de naturalisation que vous pouvez le saisir ici. Ensuite, vous allez venir ici, vous allez descendre là, vous allez cliquer sur autre. Une fois que vous avez cliqué sur autre à ce niveau, vous allez écrire dans à l'administration, bonjour, je suis monsieur ou madame tel, numéro de dossier tel. Ensuite, je souhaite vous transmettre ce document afin de compléter mon dossier et les formules de politesse. Ensuite, vous allez cliquer à ce niveau le plus essentiel aussi, joindre un document. Vous allez donc cliquer là. Vous allez choisir le document dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur envoyer. Donc, c'est comme ça qu'on envoie le document au pôle naturalisation. Une fois que la NEF aura reçu ce document, ils vont le transmettre donc au pôle naturalisation dont vous dépendez. C'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à partager et sur ce, abonne-toi et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.